Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest Monsters, le prince des ombres. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous nous sommes laissés toujours dans la tour de Rose Colline. Ça ne change pas, mais on s'était laissé dans le cercle de la conquête supérieure, puisque ça y est, on approche un petit peu de la fin. Alors j'imagine qu'il y aura une post-game, il y aura un post-game, donc là, je pense qu'on arrive vers la fin. Peut-être pas la toute fin, mais au moins, je pense, l'un des premiers boss de fin. Alors, je crois que c'est notre frère qu'on doit affronter. Si je dis pas de conneries, à chaque fois, je confonds notre frère, notre père. Bon, bref. L'un des deux, qui se trouve dans la forteresse là-bas, qui était au préalable... lâche-moi. Qui était au préalable entouré d'un bouclier d'énergie qu'on a réussi à désactiver en se débarrassant des... de ces quatre généraux, on va dire. Et donc, on va pouvoir y aller. C'est bon, regardez. C'est... Il n'y a plus de barrière. Donc, on va pouvoir y aller. Alors, j'ai pas trop farmé. J'avais dit que j'allais faire des synthèses. Le truc, c'est que j'ai pas eu beaucoup de temps. Je me suis concentré aussi sur des Q7, hein, parce que j'ai envie de faire... Enfin, j'ai envie de le finir dans une Quest 7 aussi. Donc, voilà. Je me suis concentré un petit peu là-dessus, mais... j'ai quand même fait un peu de synthèse, à savoir que j'ai commencé, on va dire, le Murtor. Est-ce que c'est pas un œuf là-bas? Si? Non? Je sais pas, je vois un truc blanc. Ça signifie un œuf ça ou pas? Je sais pas. Ici, là-bas. Et je pourrais pas l'atteindre de toute façon. Ah non, je peux pas l'atteindre. Comment je pourrais l'atteindre? Il y a peut-être moyen de l'atteindre, mais je ne sais pas. J'ai appris, on dirait le symbole d'un œuf sur la carte. Ou alors peut-être que je me trompe, hein. Auquel cas, ben voilà, je me serais trompé. Bref. Ouais, bref. Oui, donc du coup aussi, j'ai quand même entamé quelques petites synthèses. Parce que j'ai envie de faire déjà mort à mort. Donc voilà, j'ai entamé les synthèses, mais... Je me suis dit, bon, fuck, hein, j'ai pas le temps de le faire. Est-ce que je me force un peu à faire les synthèses avant? J'ai commencé un peu tout à l'heure, mais... Bon, je me suis dit, bon, je vais quand même tourner, j'ai envie d'y aller. Donc on va y aller avec toujours notre petite team. Je vais remettre... bah non. C'était comment, ma team? Attendez. Non, c'est pas ça que je veux faire. Modifier l'équipe. Oui, c'était ça. Je voulais remettre... lui, hein, on est d'accord? Voilà. On va laisser la team comme ça pour l'instant et puis on va y aller. Et pour la prochaine fois, là par contre j'essaierai de faire quand même mes petites synthèses, hein, évidemment. Alors est-ce qu'il y a quand même des choses ici? J'ai pas trop l'impression. Hein. Ah mince. La cinématique s'est lancée. Je suis allé trop loin. Et je voulais visiter un petit peu son petit jardin. Le crack du conquérant. Oh là! Ainsi tu es arrivé jusqu'ici. Le héros a dû avoir pitié de toi. Dolph Destructeur, je présume. Après t'avoir attribué la destruction de son village, je pensais que le héros déchaînerait sa colère sur toi. C'est donc ça son plan. Il a tout mis en œuvre pour que le héros survive. Tu as même réussi à passer outre cette malédiction en laissant ta petite troupe de monstres se battre à ta place. Peut-être sommes-nous faits... Hein? Peut-être sommes-nous faits du même bois finalement, mais évite que ça te monte à la tête. Ce serait extrêmement arrogant de penser que tu puisses remplacer Père en tant que maître des monstres. Et pour le prouver, je vais mettre tes rêves à bas. Non mais c'est pas gentil. Oh là, c'était un plan stylé. Mais ça y est. Ok, il y a du combat. Oh là là. Tu pourrais au moins combattre à la loyale. Ou il va se passer un truc. Oh
Oh! Solo, pourquoi venez-vous en aide? Avec la musique quand même, c'est si. Je vous expliquerai tout quand nous aurons vaincu ces villes créatures. Du coup, est-ce que c'est pas la première fois qu'on l'entend parler, lui? Dans Dragon Quest 4, il parlait pas, hein, il me semble. 4 ou 5? Attendez, je dis... Merde, j'ai un doute maintenant. 4, 4, Dragon Quest 4, c'est bon. Nous venons mettre un terme à votre règne de terreur. Oh. Ah bon? Ben merci, c'est gentil. Attends, écho. J'ai une envie de me battre, d'accord. Que faites-vous ici? En plus, il a l'épée. D'ailleurs, faudrait que je me la chope parce que je la trouve trop stylée cette épée. J'ai l'autre qui est là. Bah, vous la voyez pas. Mais parce qu'elle est un peu couchée. Mais j'ai l'autre. Et j'aimerais bien elle aussi. Faudrait que je me la prenne un coup. Si elle est encore trouvable. Misérable vaut rien. Une fois que je t'aurai réglé ton compte, petit frère, je m'occuperai d'eux. Je dois pouvoir vous aider. Que ton sang imprègne à tout jamais le sol de cet endroit. Ah ouais, c'est pas gentil. Bon, on entend là. Ça y est. C'est la musique. Musique de boss, ça. J'espère que ça va aller par contre. Alors, bah écoutez, on va partir comme d'hab. Hein. Ah mince, c'était pas lui que. C'était pas ça que je voulais faire en fait. Je me suis trompé, j'ai balancé sur... Bah après c'est pas grave, hein, c'est... C'est pas déconnant, parce qu'après il va quand même nous soigner. Ouh. Ok. J'aurais pu faire aussi un accéléro, mais je pense pas trop en avoir besoin. Aouh. Oh. Ok, donc perturbante et j'ai pris cher. Je ne ferai plus méga glace du coup. Et là tu fais Crystalinda, c'est super. Non mais on va faire appel et voilà. Hi. D'accord. Je sais. C'est parce que je sais pas si j'ai vraiment des. Si j'ai des. Oh, j'en ai 5. Allez, sur elle. Tu vas nous faire un multi-soin. Et puis on va les laisser gérer parce que je pense que ça vaudra mieux. Parce que. Je savais pas qu'il allait me contrer mon truc. Ah! Ok, je vais balancer un omni-soin. Et je vais balancer des objets. Omni-soin. Comme ça, on est soigné à fond. Les perturbantes, ça va être chiant par contre. Oh, tu fais mal. Ouais, pour l'instant, je suis obligé d'aller petit par petit. J'ose plus faire giga gâche. Hein. Giga gâche. J'ose plus faire giga glace. Thank you.
Ah. Ça fait du bien. Ah. Bon, d'abord, je suis Dolph. Alors, étonnamment, c'est bizarre qu'on l'ait battu comme ça assez facilement. Je pense que c'est pas fini. Enfin, quoique, après, vous allez me dire, c'est possible. Oh, on avait passé de niveau, c'est con. J'aurais dû laisser activer mes machins. Mais bonus, là, balle bonus. Pour l'XP. Sale petit, tu n'as pas pu me vaincre, impossible. J'ai réussi. Tu as battu le plus grand guerrier de Nateria ? Bah oui, rappelez-vous. N'aime pas ça. Il va se déchaîner les filets. Super Saiyan. Il ne faut jamais baisser la garde face à moi. Tes mains sont disparues, tu n'as aucune chance. Voyons maintenant ce que tu vaux vraiment. Tu ne peux pas m'atteindre. Père, t'as vraiment jeté un sort diabolique. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Tu laisses une chance d'implorer ma pitié. Agenouille-toi et reconnais que tu es un pauvre fou mal avisé. C'est tout ce que j'exige. Quoi ? Le héros. Impossible. Aurais-je mal jugé la véritable force des élus? Ok. Le moment venu, je jure que je vous tuerai de mes propres mains. Mais ce n'est pas pour maintenant. Retrouvons-nous lorsque vous serez devenu le maître des monstres. Ne prenez pas cette promesse à la légère, exterminateur. Est-ce que ce sont vos amis? Ah oui, d'accord. On est venu voir s'il y avait des survivants. Et il y en a quelques-uns. Ah bah oui, ils sont tous là, avec la musique. Ordonnez, j'obéirai. Ouais, on va devoir battre Randolfo. C'est pour ça, Randolfo, Dolph, hein, toujours... Rapporte la victoire et venge à Amon pour moi. Tu as beaucoup de soutien, on dirait. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Ouais. Est-ce que ça serait tout de suite, tout de suite, tout de suite? Genre là, ça y est, c'est le combat contre le papou. Bah déjà, je vais me soigner, je crois, parce que je suis à moitié mort. Ouais, alors attendez, je vais quand même d'abord aller ici, parce que je sais pas si je peux me téléporter ou pas. On va, je pense que si c'est comme d'habitude, ouais, alors hop, ok, il y a le petit truc. Donc, à mon avis, comme d'hab, on va pouvoir se TP à la fin de la zone une fois qu'on aura fait tout le château. Donc, ce que je fais... Ouais, crack du conquérant est là. Je vais me soigner. Et puis, on revient. Je pense que je vais faire le château. Voilà, hein, on va visiter un peu le crack du conquérant. Et on va pas entamer le combat, on va se laisser au téléporteur. Et puis on commencera au téléporteur la prochaine fois. Et donc directement dès le début de l'épisode, on entamera le combat. Parce que à mon avis, je pense que là, ça va être long.
puisque ça va être la fin, tout ça, donc on va faire ça. Je me soigne ici, c'est... Voilà. Et c'est parti. Let's go. Alors, ici, il y a... Bah, ils ont peur. Je suis peut-être trop au level, hein, forcément. Ting, ting, ting. Bah, il y a vraiment beaucoup d'endroits où j'ai pas... À chaque fois, je disais que j'allais faire de la synthèse, au final... Mais il se barre en courant. Et enfin, que j'allais retourner dans les zones, mais au final, je l'ai pas fait. Ce qui est quand même assez con. Fuyez devant moi. Regardez comment il fuit. C'est joli, en tout cas, ici. Mais ils fuient tous de... Bon, bah alors, lui, il fuit pas. Mais les autres, ils fuyaient. Hein. S'il y a un autre dans une Quest Monsters, même un DQMJ, hein, peut-être un remake un jour, on peut espérer, pourquoi pas. Mettre un truc comme ça, ça pourrait être grandement simplifié, même si, voilà, le truc de base, c'est de faire les plans de synthèse, mais c'est un gain de temps quand même, hein. C'est un truc de fou, mais c'est vraiment un gain de temps assez conséquent. On va appuyer, on verra bien. Ah, c'est un ascenseur. Ah, on arrive là, ok. Là où tout à l'heure je disais bah, c'est bizarre, je peux pas passer. Ok, c'est pour arriver ici. Il y a un truc important à voir ici ou pas? Tout ce que je sais, c'est que je vais en bas, en haut, en bas puis en haut, puis re en haut, puis re en bas. Une grande salle. Très bien. Je sais pas si j'ai loupé un truc tout à l'heure, au pire, tant pis. Ce qui est rigolo ici, c'est que du coup, ben ouais, voilà, les monstres ne me font pas peur puisque c'est moi qui leur fais peur. Mais il n'y avait pas un petit coffre Non? Toi t'as un boss? Ah non, c'est juste un monstre. J'ai une vieille, il est en mode, il garde l'accès et au final je lui fais peur. Mais je crois qu'il y a une zone où j'ai loupé un coffre peut-être. Et ici il y a quoi? Une espèce de cérémonie là. Craignez-moi. Regardez. Bon, il y a que lui qui est pas peur, mais... Parce qu'il voit pas bien, il a un truc sur la tête. J'ai peut-être loupé un... J'ai pas loupé... Je pense que j'ai loupé un truc, mais... Visiblement... Ok, ben... Ça y est, on est là. Je vais pas l'entamer aujourd'hui. Je vais pas l'entamer aujourd'hui parce que... Je sens que, voilà, il y aura cinématique. Combat. Re-cinématique. À mon avis, je pense... Qu'on aura notre père à affronter. On va le battre. Peut-être, j'espère. Mais, vous savez, il a encore ses bracelets, voilà, ultime, je sais pas quoi. De l'évolution ultime. Et donc, souhaitez-vous y aller directement? Non. Et donc, il aura ses bracelets ultimes. Et là, bah, il va forcément se changer et avoir sa vraie forme, entre guillemets, à sa forme évoluée. Et là, il faudra le rebattre. Donc, deux combats. Donc, non, là, ça va être long. Donc, on va s'arrêter là. Et on viendra ici la prochaine fois pour aller l'affronter. Du coup. Ouais. On retourne au départ. Et écoutez, on sait cela. Ça aura un petit épisode où... très rapide, hein, je pense. Parce qu'il y aura concrètement pour le combat. Voilà, le château. Mais qui est pas long. D'habitude, c'est vrai que j'en ai. Je suis étonné. On a. Ça reste quand même des trucs assez longs. Pas mal d'énigmes. Mais là, en 10 minutes. Je crois que j'ai mis ouais, un quart d'heure à le faire, même pas. Bah écoutez, on va pouvoir... Ouais, on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis bien, nous, on se retrouve la prochaine fois pour la suite et un combat épique, j'espère. Allez, bye tout le monde.